Continue. Just in case. This is Apple's. Boom. This is Apple's. Boom. This is Apple's. Very simple. Apple computer. Very simple. This is Apple's. Une pomme un jour. Visite nocturne. La visite nocturne vous est offerte par Virginie. Virginie Tourisme. La voie la plus rapide pour arriver à. Ah oui, voilà, à c'est la, ça. À la deuxième street, c'est bien. Passer par Treasure Island. Voilà. C'est le GPS qui déconne en fait. C'est tourner à droite. Ah non, désolé, vous allez passer par Treasure Island. Donc. Prochaine sortie, attends. New York. Donc maintenant, il faut qu'on retrouve San Francisco. Tu peux pas faire demi-tour. Ouais, non, on peut pas. Attends, Oakland, San Francisco. On est sur la bonne voie. Ouais. Je te rassure tout de suite, on verra très probablement rien à la caméra. Je peux essayer, remarque, sur quel bouton faut appuyer. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Ils habitent là-dedans, les gens. On dirait. Donc, et alors, il y a quand même une super belle vue. Ah oui, oui. Je suis content d'être venu ici, d'ailleurs. Et tu vas pouvoir faire le bridge. Dans le bon sens. Hein. Par en haut. T'auras des choses à raconter. On va essayer de pas se planter quand même. T'auras des choses à raconter demain. San Francisco, straight on. Mais ne prends pas la route pour Los Angeles. Détour ouest, mais je veux pas ouest moi, je veux savoir San Francisco. Ok, c'est par là. Ouest c'est San Francisco. Reste à droite. Et là tu pars à Oakland. Ça aussi, entre parenthèses, j'ai jamais vu un pont en Europe où un sens passe en dessous et l'autre sens passe au-dessus. Ben voilà, comme ça t'aurais vu. J'ai toujours rêvé de me faire un pont San Francisco. T'as pas fait le Golden Gate? Ah non, pas encore. Ah bah ben, ouais, le stop juste avant de rentrer sur le pont. sur t'as sur vraiment envie d'arrêter, ouais, sur autoroute. C'est un peu ok. Bon, on voit pas plus grand chose en fait sur la caméra. On va faire une pause sur le temps qu'on est sur le pont. Sponsorisé par France Télécom. Orange. Après la visite offerte par Orange, nous avons désormais la visite offerte par Stanford. Puisqu'aujourd'hui, c'est Romain qui m'emmène visiter San Francisco en se perdant. Voilà, c'est la stratégie de la perte. Non, c'est pas en se perdant du tout, c'est on n'a pas trouvé de place ailleurs, donc on va. Voilà. Mais moi je m'en fous, j'ai pas faim, c'est lui qui a faim. Puis. Et puis Romain s'est quand même fait poser officiellement un lapin par Loïc Lemaire. Et puis maintenant il s'est comment on pourrait dire ça? Il s'est excusé, Loïc. Mais je cherchais un adjectif dans excuser. C'est le décalage horaire. Oui, c'est ça. Bah il est sort en décalage horaire depuis 2 semaines lui. Et donc donc maintenant il va payer le dîner au W quoi. Et puis moi au début je pensais qu'il y avait le feu à San Francisco, mais non. C'est juste les nuages qui sont descendus en fait. Chers amis européens, si vous n'avez jamais vu ça,
une expérience à ne pas manquer. Moi, je me souviens pas avoir vu ça dans aucune ville. Sauf à Lima, mais ça, c'est parce que c'est pollué. Ici, c'est vraiment les nuages qui sont descendus. Et puis, donc, comme ça, les gens qui travaillent en haut, ils ont la tête dans les nuages. Après ce petit détour par l'autoroute, nous reviendrons dans la... Ah, je suis passé par ici tout à l'heure, je crois. Nous reviendrons ? Oui, je sais, j'avais envie. T'avais envie ? J'avais envie de reviendre. Nous reviendrons sur Harrison. Je suis passé par ici à pied tout à l'heure. Parce que je suis voulu aller chercher un sac à dos. Mais ils sont hors de prix ici. Donc. Voilà. Parle-nous de ton expérience à San Francisco. De mon expérience, j'avais compris, de mon expérience. Est-ce que tu vas t'installer à San Francisco comme Loïc ? Ah, demain, hein ? J'ai fait ma demande de visa d'investisseur aussi. Et. Non, mais on verra, hein, peut-être. Mais il va falloir appeler ma femme pour lui dire que dans quelques années, peut-être, on viendra ici. Mais je vais avoir besoin de l'aide de ma fille pour convaincre ma femme dans quelques années. Et puis, bah, en attendant, je vais rester peinard chez moi dans ma belle maison que je viens fraîchement d'acheter. Donc, Et puis, donc, on est revenu dans le quartier où on était à la base. Après cette petite escapade qui nous avait été offerte, où on n'a pas trouvé de place pour parking. Ça m'est arrivé, moi, une fois d'ailleurs dans ma ville natale à Charleroi, d'y aller, de pas trouver de parking, de revenir à la maison. Parce que des fois, tu trouves pas. Disons qu'on a fait ça pour tes auditeurs. Voilà, comme voilà. Ça, ils ont une petite visite. Rien que pour mon podcast. Gratuit de San Francisco. Voilà. C'est la visite offerte par les Frenchies. Donc demain on va probablement aller visiter un autre pont avec Virginie qui est la spécialiste des ponts donc. Hein. Le Golden Gate on se fera. Hein. Et peut-être on va emmener notre GPS personnel avec nous hein, qui s'appelle Mathieu donc. Qui a donc une Mathieu, GPS. C'est le GPS ? Voilà Mathieu il a une puce GPS intégrée dans le cerveau en fait. D'accord. Tu lui dis je veux aller à tel endroit, il te fait gauche, droite. C'est assez pratique. Voilà. Et il est compatible avec Google Maps ? Il marche pas sur Mac. Ah si, ben si, c'est un développeur Mac. D'accord. Marche pas sur iPhone. Il marche pas sur iPhone. Bon, j'ai pas encore bu, donc je dis déjà des conneries. Donc, ah, on rentre dans un parking. Tiens, ça veut dire qu'on va se garer alors. Il y a des chances. Bon, allez, je vais vous laisser parce que je suis en train de passer sous un pont, donc je perds le réseau.